Hello everyone and welcome back to EU People. Today we go international with Stefano Mansavesi, our man at the head of the International Cooperation and Development Team. We are setting off to find out how Europe is striving to reduce poverty and promote sustainable development in the world. Ready for the ride? Then let's begin. I am delighted to welcome Stefano Manservesi, an Italian globetrotter in charge of the EU cooperation and development policy. You will be likely to meet Stefano in Bhutan, in Colombia or in Mozambique. So we are lucky to have met Stefano with us today in Brussels. Let's see where our journey will bring us. Good afternoon, Stefano. Good afternoon. So I see your pins. What is it exactly? There is a pin which uh, unites Europe and sustainable development goals. Actually, we are talking about sustainability. Europe is the best evidence of uh, sustainability. All these are our values. I have to add that I lost the pin of my favourite football club, Bologna. Ah, so it's Europe is winning at the end. At the end. Can you tell me in few simple words what is the main objective of EU development policy? Uh, that is more complicated. Um, I have to say that uh, to share to share experience to share value to share opportunity uh, if i want to say fighting poverty of course fighting injustice uh, be partner in building a better world would be uh, an answer which is more in tune but to say to share in the sense of uh, sitting and thinking that uh, being with somebody that one day will not ask you for help but rather to sit with you to have a coffee with you to watch a movie with you so to share to stay together this i would say is a bit uh, maybe not institutionally so clear but this is the real objective is to be equal at the end is it true that europe is the world leading donor in development aid Yes, it is true. Europe, uh, if Europe is united, I mean, Europe, meaning Commission and this member states, uh, are the biggest donor, maybe meaning, you know, the one which is putting the most money for development assistance in in the world, by far. So we're going to see some pictures, and if you can comment uh, about what the EU is doing in those countries. So, our first picture is Colombia. Our main objective over there is, uh, again, to help this country and these people in particular uh, to build a new way of living together, a new state, more democracy, more inclusiveness, more opportunity for everybody. Another example uh, Haiti. Haiti is probably one of the poorest country in the world, one of probably uh, for which uh, I can uh, I can feel a sort of personal affection because people are extraordinary. They're probably the most resilient people I ever seen in my world, and second because they are finding their own way in order to have strong institutions to have a, a meaningful future. So Haiti for us is the biggest country in terms of. Uh, Support in terms of aid in the Caribbean, close to half a billion of euros, constant presence, building roads, capacity, training, um, helping also the countries to be stronger in terms of resilience vis a vis its own contradiction. Another example Bhutan. I've seen you just came back from Bhutan, right? Bhutan, <laughs> Bhutan is, a, is a very peculiar country because, you know, in our countries we have the Minister of Planning in Bhutan the minister of planning is the minister of happiness you know instead of uh, thinking only in terms of gdp we are growing of 3 4 10% they said the index to measure how much we grow is gdp and happiness, happiness. and therefore they are uh, trying to reach every persons uh, to have in mind that, that it is not just a question to have more money to spend more but the condition and the quality of life so it's quite a strange Place. It's quite an inspiring place, obviously a small place. Eh? So would we need a Minister of Happiness in Europe? I don't know, but but maybe we could suggest to the next president to have a commissioner for happiness in Europe. What is your most vivid memory? Is there any particular encounter you've made that that? It's important for your life, for your daily life. Something you remember. I just say that uh, when <laughs> what, what I probably um, like the most, because it's a bit atypical, is when uh, mm, I was attending a concert uh, on a bush bar somewhere um, in, in Africa, and then there was uh, a group playing saxophone and jazz, sort of jazz, that by chance I met here in Brussels, in in, in a suburb, and then i recognize them and they recognized me and then they were sitting having a beer together and we, we discussed about jazz music uh, europe and africa until 3 a.m so this was nice this is maybe less uh, ritual but mm -hmm. this was extremely extremely nice Donc, Stéphano, j'aimerais aussi qu'on qu fasse un petit focus sur l'Afrique, parce que oui. c'est très important dans oui, ce oui. que vous faites. Et cette année, on célèbre les 65 ans de la Convention de Yaoundé. Oui. Qu'est-ce qui a changé euh, depuis ah, a changé beaucoup. La Convention de Yaoundé, un peu oubliée de temps en temps, c'est fondamental, parce que c'est le premier pacte postcolonial. Jusqu'à ce moment-là, on avait nos territoires qui étaient encore des colonies, des territoires dépendants, on disait de manière très pudique, avec lesquels on avait un rapport de développement, avec un fonds de développement. Mais à partir de l'indépendance, ce pays a dû décider qu'est-ce qu'on va faire. Et alors on a décidé de faire une convention. C'était une des premières conventions d'États nouvellement souverains qui concluait avec d'ailleurs une entité supranationale. Bah, depuis lors, d'une part, ce groupe est devenu le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et qui est un groupe qui s'est consolidé en 1975, et puis après a grandi, a grandi, a grandi, est devenu un des groupes les plus importants euh, du panorama du sud du monde, au point que euh, nous, Européens et ACP, nous sommes le plus grand groupe au monde nord-sud. La chose peut-être intéressante est que... Et que on a travaillé ensemble, c'est-à-dire l'accord de Paris sur le changement climatique. Une des raisons pour lesquelles on est arrivé à la conclusion, c'est parce que le groupe ACP et le groupe européen ensemble ont contribué à cet effort très important. Et donc là maintenant, on est en train de penser à un poste cotonou, comme on dit, c'est-à-dire de émanciper un peu nos relations, un peu moins liées au financement et un peu plus liées aux objectifs, à l'alliance qu'on peut mettre ensemble. Et eh Je voulais arriver dessus. Quelle est cette nouvelle alliance Afrique-Europe euh, dont on parle beaucoup en ce moment Mais Je crois que le président Juncker a choisi, comme toujours, ces mots de manière très précise. Président Juncker a utilisé un autre mot et le mot compte. Alliance est encore plus qu'un partenariat. Ça veut dire établir ensemble des objectifs communs, objectifs partagés, et établir ensemble la manière pour pouvoir agir ensemble. Donc, je dirais que c'est un objectif. Nous sommes alliés dans pas mal de choses, comme le changement climatique, mais L'idée est celle de construire une alliance qui lie l'Europe et l'Afrique sur des intérêts concrets, sur des intérêts qui démontrent que l'Afrique est notre plus grand voisin et que nous sommes le plus grand voisin de l'Afrique et que nous devons construire notre futur ensemble. D'abord, ce sont des problèmes communs. La migration affecte également l'Afrique. Le terrorisme et l'insécurité affectent également l'Afrique. La question des inégalités affecte l'Afrique et l'Europe, la question du travail pour les jeunes, même si l'Afrique est un continent jeune. L'Europe est un continent qui vieillit, mais nous avons un, ensemble un problème des jeunes. Nous avons ensemble la question des nouvelles technologies, des nouvelles opportunités. Donc l'idée est celle de travailler ensemble pour construire des objectifs partagés et, je pense, pour construire ou jeter les bases d'une disons, d'une zone économique euro-africaine. Sur ce sujet, euh, je voulais que vous m'en disiez un peu plus sur le plan d'investissement extérieur de l'UE. Vu les, le niveau des problèmes, vu les ambitions de chacun, faisons comme on a fait chez nous, investissement, créons de la croissance économique qui puisse permettre à tout le monde de se partager un peu ces, ces résultats, qui puisse... Permettre à l'État de lever des taxes aussi, hein, parce que les revenus sont encore très bas. Donc le paradigme est le suivant plan d'investissement externe, faire en sorte de mobiliser l'activité économique normale, pour voir les opportunités, pour voir tout ce qu'on peut faire ensemble, pour créer du travail de manière soutenable. Donc ça, c'est un peu le changement. À votre avis, maintenant une question un peu plus personnelle à quoi ressemblera le partenariat Afrique-Europe en 2050 Moi, j'espérais vraiment que dans en 2050, 2050 hein, on puisse s'asseoir et parler des mêmes choses. Et je peux dire que de voir plus de films africains euh, en Europe, hein, d'avoir moins de barrières culturelles, hein, de permettre à tout le monde d'avoir sa propre chance, musique, cinéma, art, la culture comme moment qui nous met ensemble. Ça, c'est ce que je, je vais espérer. Stéphano, j'ai calculé, ça fait 36 ans que vous êtes à Bruxelles. Pourquoi ouais. vous avez choisi l'Europe et pas l'Italie Parce que j'ai fait un raisonnement simple et que, à l'époque, vous savez, on était. Moi, bon, j'étais quand même un peu gauchiste. Et donc, je trouvais que les grands systèmes économiques au monde mettaient au mal les démocraties euh, au niveau étatique. Et donc, j'ai cherché de voir qui les... Qu peut être la réponse disons, à ces phénomènes qui, vous les qualifiez comme vous voulez, mais qui déplace un peu le centre de, de décision. Et j'ai rencontré l'Europe, j'ai rencontré les communautés européennes de l'époque. Mais c'est la, euh, la seule tentative de créer un niveau de gouvernement qui permette de nous rassurer qu'il y a un futur pour, pour la démocratie. Donc, à un certain moment, l'Italie était partie de ça, mais l'Europe était le centre de gravité où essayer d'être, euh, disons, de participer à ce projet. Mais... Il y a quand même un paradoxe. Vous êtes venu à Bruxelles pour faire l'Europe, mais tout de suite vous êtes allé dans la politique internationale pour partir de Bruxelles. Ben, oui, parce que, euh, parce que une des caractéristiques de la construction européenne est la, est la solidarité. Et euh, j'ai voulu voir comment cette Europe pouvait se projeter vis-à-vis -vis des pays en développement, vis-à-vis -vis de ceux qui étaient euh, l'autre. Et, euh, bon, une fois qu'on a commencé cela, ben, voilà, j'étais un peu entraîné dans ce mécanisme, j'ai jamais trouvé occasion de me plaindre. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant, vous avez fait référence à ce uh, Leaving no one behind ben, ». au fond, c'est l'emblème le, euh, de la communauté européenne depuis 1958. Donc, finalement, on a un peu réussi. Je me suis baladé un peu sur votre compte Twitter et vous êtes très actif. Donc vous parlez beaucoup de vos engagements, de ce que vous faites au quotidien, mais il y a quand même quelques, quelques, quelques tweets qui montrent un peu vos goûts personnels. Alors du coup, je voulais y revenir un peu. Est-ce que vous êtes plutôt cinéma, art contemporain, la vie sauvage Quels sont vos goûts personnels ah ben, Je dirais les trois. Non, mais je pense que euh, culture, cinéma, musique, euh, de toutes sortes d'ailleurs, oui. Mais pourquoi parce que, disons, ça me permet de de lire à travers euh, les réalités. Euh, moi, j'ai toujours pensé que pour comprendre les autres et soi-même il faut toujours essayer d'aller un peu à la racine. Et ce n'est pas forcément le GDP ou, ou je sais pas, des, des indicateurs plus simples. Essayez d'aller avec les gens. Euh, j'ai retrouvé quelques photos de vous avec des, des célébrités de l'intégration européenne, mais pas que. Du coup, j'ai un petit jeu pour vous. Est-ce que vous pouvez me dire une chose que l'on ne sait pas de ces personnes et que vous savez donc je vais vous montrer la première photo. Euh, bon, plutôt facile, vous avec euh, Romano Prodi. Bah, tout le monde sait que c'est un cycliste. Euh, mais euh, pas beaucoup de monde sait que c'est un cycliste, pas de plaine, mais des montagnes. Et il faut le voir quand euh, il pédale sur des pentes, que pour quelqu'un qui a un certain âge, vous on m'a bien avec lui j'ai essayé, mais bon, j'ai <laughs> laissé tomber tout de suite. Euh, deuxième personne, Mario Monti. <laughs> Monti aime les blagues aime les blagues, a un humour absolument éclatant. Il aime rire. Euh, J'ai une photo de vous avec Joseph Stiglitz. Ah oui, Stiglitz est un grand photographe. On pense de lui d'un économiste, mais il aime bien prendre les photos, c'est assez bien. Euh, maintenant, en venant à Bruxelles, Federica Mogherini. Si je dois la décrire un instant, c'est vraiment la génération qui peut changer le monde. Et si on veut dire quelque chose d'un peu plus anecdotique, elle aime danser. <laughs> Cécilia Cecilia Malmström avec qui vous avez travaillé aussi. Ah, est alors, Cécilia est d'abord hispanophone. Alors, pour une suédoise, c'est pas forcément évident. Hispanophone. Et sur un plan un peu plus peut-être formel, alors là, les droits de l'homme, c'est vraiment quelque chose pour elle une boussole toujours. Euh, et ça, c'est assez remarquable dans des mondes, dans des moments pas forcément simples, ou dans un portefeuille ensemble qui était les affaires intérieures. Euh, le commissaire actuel, Neven Mimitsa C'est un grand cœur et un grand féministe. Et il croit vraiment dans ce qu'il fait. On a une photo de vous avec Bono. Ah oui. Bono, c'est très sympathique. Vous savez que moi, je pensais, vous savez, les célébrités, Band-Aid, etc., etc., ou bien autre chose. Mais euh, il est vraiment un expert d'Europe. Il l'a décrit montré dans ses concerts. Il a hein. décrit. Euh, en une intervention, le fonctionnement institutionnel de l'Europe, que j'aimerais bien savoir répéter quand je dois vulgariser notre complexité. Donc, chapeau. Stéphano, merci beaucoup pour toutes ces réponses. J'ai l'impression qu'on aurait pu discuter dessus des heures. On a fait qu'effleurer les sujets, mais c'était. Très bonne éclairage. Plaisir. Merci. Et vous euh, on peut suivre encore votre activité sur le compte Twitter et sur le compte d'Europed aussi pour en apprendre plus. J'invite tout le monde à, à le faire. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Vous pouvez commenter, partager, vous pouvez regarder les autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de EU People. Merci, beaucoup. Merci.